Hey Matelot, ici Defroy. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser une maison moderne sur Minecraft que j'avais voulu faire sur le thème du bambou. Regardez-moi ça. Est-ce qu'elle est pas sympathique la maison? Il y a même un hélicoptère avec un héliport ou un hélipad pour accueillir l'hélicoptère. Vous voyez un peu ce que ça donne par dessus, vous voyez la maison. Avec une ou deux gigantesques piscines en fait, dont une qui déborde sur l'autre. Vous voyez une piscine ici comme ça qui est surélevée sur pilotis. On peut passer par dessous et tout. Et qui se déverse ici en cascade sur une espèce de récif ou de rocher artificiel pour se déverser dans l'autre. Et au milieu de l'autre piscine, on a mis une petite terrasse qui a été aménagée par Shiro d'ailleurs et pas par moi. On l'en remercie bien fort. Et puis voilà, donc franchement, cette maison elle est assez grande et j'espère pouvoir la sortir à temps pour le 23, mais c'est pas sûr. Et puis on va voir ça pour la réaliser en tutoriel bien sûr. Alors petite précision, je ne ferai pas l'hélicoptère en tuto. J'ai fait un hélicoptère en tuto il y a très longtemps sur ma chaîne YouTube. Du coup, je vous renverrai vers cette vidéo là pour refaire l'hélicoptère. Voilà un peu ce que ça donne par derrière la maison. Voilà. Bon bah allez, let's go. Ok, donc je vais vous donner le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette maison d'abord. Hein, je les ai mis ici derrière. Hop, donc c'est une grande maison, hein, donc il y a pas mal de blocs. Yup, on va commencer ici. Ok, donc on va d'abord et avant tout prendre la diorite. Alors là j'ai des dalles de diorite, mais on va prendre des blocs de diorite, d'accord. Et on va faire le pattern, alors pas le pattern mais le plot, voilà la parcelle. Vous voyez, là il y a une parcelle complète autour de la maison. Généralement j'en mets pas, mais là voilà, autour de cette maison il y en a une. Donc on va partir du début ici, vous voyez vous avez le squelette de la maison. Ici, vous voyez, ce sera l'entrée de la maison, donc vraiment sur le côté du plot. Et donc voilà, on va mettre de la diorite polie dans le sol, d'accord. Sur, alors, de là jusqu'à l'autre partie là-bas, il me semble que c'est 82 blocs, je vais vérifier. 82 blocs, effectivement. Donc il y a 82 blocs sur la longueur, 82 blocs sur les côtés, 82 blocs comme ça à chaque fois. Donc entre là, vous voyez... Et là-bas, c'est pareil, 82 blocs. Ici, vous voyez, 82. Pareil, on reprend le bloc ici, tout jusqu'à là-bas. Et normalement, c'est bon. Hein. Hop, voilà, 82 et 82 ici aussi, du coup. Alors, maintenant, pour positionner la maison par rapport aux plots, d'accord? Le plus facile étant de prendre les plots à l'arrière. Donc là, tel qu'on voit la maison, on est sur l'avant, vous voyez, comme ça. Donc on prend le coin à l'arrière, le coin arrière gauche, d'accord, de la maison ici. On va compter à partir de là, hop, jusque là, on va compter 12 blocs, d'accord. On va venir prendre nos blocs de quartz lisse, et on va compter 1, 2, 3 et 4 blocs, et on va mettre du quartz lisse dans le sol, ici comme ça. Ça va être le bord de notre maison, d'accord. Donc vous pouvez mettre un bloc dans le sol comme ça, pour avoir un repère, d'accord. Hop, de l'autre côté, à partir du coin arrière droit de la maison ici, d'accord.
On va compter à partir de là jusque là, pareil, 12 blocs, hein, logique. Et par devant, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 blocs. Donc vous mettez un bloc comme ça dans le sol, un bloc de quartz dans le sol. Et normalement, vous aurez vos deux repères qui vous permettront de mettre la maison, de positionner la maison. Très bien. Donc normalement, au point où on en est, vous avez tac, 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 votre grande parcelle et vos deux points dans le sol. Très bien. Donc on va faire le plancher de la maison, en tout cas le rez-de-chaussée. Vous voyez, donc toute la grande partie au sol là, qui est tout en quartz, c'est ça que je vais vous donner maintenant, d'accord? Donc normalement vous avez ce bloc là, on va partir de celui-là. On va mettre une ligne de 1, 2, 3, 4 blocs de quartz lisse par devant. On va sur le côté ici comme ça et on met une ligne entre ce bloc là et ici de 11 blocs de longueur. On revient sur le côté. Paf, entre ce bloc là et youp, jusqu'ici on fait 33 blocs au total, d'accord. Ici sur le côté on met 1, 2, 3 blocs, d'accord. Ici jusque là on en met 7, et puis 1, 2 et 3 ici comme ça, on revient dans l'axe. Par devant jusqu'au bloc que vous avez déjà ici normalement en repère, on a 17 blocs au total. On va dans ce sens-là, du coup, compter à partir de ce bloc-là jusqu'à ici 13 blocs, d'accord. À côté, vous mettez 1, 2, 3 blocs, et re par devant, vous mettez, hop, 18 blocs, d'accord. Sur le côté, hop, entre ici et là, on a 10 blocs. Et non pas débloque, hein, parce que là, si tu débloques, c'est pas pareil. Bref, ici, entre ce bloc-là, du coup, on repart vers l'arrière et on va jusque là sur 18 blocs. On revient sur le côté entre ce bloc-là et on fait une ligne de quartz assez longue jusqu'ici de 43 blocs. D'accord ? Hop, on passe par devant, on va jusque là et on met 20 blocs. Hop, à côté ici, jusque là, on a 10 blocs. Après, on fait une petite encoche. Hop, ici, on vient sur le côté et entre là. Et là, il y a 5 blocs. Hop, entre ici. Et jusqu'au bout, quasiment. Jusque là, on a 32 blocs. Et vous voyez que normalement, vous êtes revenu à votre point de départ. Donc, si vous n'êtes pas tombé pile poil sur le bloc de départ ici... et que vous êtes décalé d'un bloc sur le côté, ou peut-être un peu plus... enfin voilà, que vous êtes tombé pas pile poil ici, ça veut dire que vous avez loupé un truc. Alors, bah du coup, voilà, maintenant, notre histoire, c'est qu'on va changer toute l'herbe ici, comme ça, vous allez enlever l'herbe, d'accord? Et on va mettre du quartz lisse à la place, hop, comme ça. Alors, petite astuce aussi, bien sûr, pour ceux qui sont en survie, eh bien, l'idée, c'est de prendre des dalles, vous voyez, de quartz lisse. Comme ça, ça vous demande moins de ressources et au final, le résultat sera le même. Ok, allez, let's go. Et hop. Ok, vous avez votre sol comme ça, du coup, maintenant. On prend, hop, la maison. Donc, vous voyez ici, c'est la maison vue de face, d'accord. On va revenir reprendre le coin supérieur droit. Là-bas, celui que vous aviez mis tout à l'heure, d'accord? Ici. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs au-dessus pour mettre notre prochain étage. D'accord? Donc, vous placez votre bloc ici et je vais vous donner les dimensions pour refaire... pour faire le deuxième étage, du coup. Donc, entre ce bloc-là et sur l'avant de la maison jusqu'ici, on va reprendre 14 blocs de longueur... Hop, 1, 2, 3 blocs par devant. Alors, je vais me mettre comme ça pour que ça se voit mieux, peut-être. Hop, donc voilà, 3 blocs jusque-là. À partir de là, jusque tout au bout, jusque-là, on en a 42 blocs de longueur, d'accord. Puis après, sur le côté, jusqu'ici, on a 10 blocs. Hop, de là jusqu'à de là, on a... 42 blocs également, on est en face de l'autre côté. Alors on se met comme ça. Hop, entre ici et
ici, on en a 17. Puis après, on va vers l'avant, comme ça. Hop, on met... Hop, 23 blocs vers l'avant. Puis après, entre ici et ici, on a 10 blocs. On repart vers l'arrière, entre là et ici, on a 23 blocs. Normalement, vous êtes aligné avec ceux d'en face. Donc, hop, avec le bloc du côté ici jusque là, vous avez 16 blocs. Très bien. Et vers l'avant, vous avez 20 blocs, comme ça. Normalement, vous êtes aligné avec en dessous. D'accord ? Tac, tac. Hop, sur le côté entre ici et là, vous avez 10 blocs. Et vers l'arrière, du coup, entre ce bloc-là et ici, on a 20 blocs. On va sur le côté et on met 4 blocs, comme ça. D'accord ? Hop, sur l'arrière, entre ce bloc-là et celui-là, on en a 13. Hop, je vais me mettre comme ça pour que ça se voit mieux. On est arrivé à ce bloc-là. On en met 1, 2, 3, 4 sur le côté. Un bloc par devant entre ici. Et ici, on a 11 blocs. On va par devant. On met entre ce bloc-là et celui-là 17 blocs. 3 blocs par devant comme ça. Puis après, entre là et là, on en a 10. On remet 1, 2, 3 blocs comme ça. Hop, entre ce bloc-là à côté... Et ici, on a 30 blocs et vous revenez à votre bloc de départ. Normalement. Voilà, si vous avez un décalage, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas bien. Donc bah voilà, et l'idée, hein, comme vous vous en doutez, c'est de recouvrir toute cette surface-là avec des blocs de quartz. Et alors, voilà ce que l'on a. Alors, je vais vous donner le troisième étage du coup. On va venir ici, vous voyez, sur le coin supérieur gauche. Hop, qu'on avait laissé. Hop, on va compter 1, 2, 3, 4 et 5 blocs. Ok, et à partir du cinquième bloc, on va mettre notre bloc de quartz. Donc, c'était 6 blocs en dessous. Ici, c'est 5. Ok. Donc, on va reprendre à partir de là. Hop, entre ici... Et ici, on a 14 blocs. On vient par devant. Alors, je vais vous montrer comme ça pour que ça soit plus visible. Entre ce bloc-là, du coup, et celui-là, on en a 4. Entre ici et là, il y en a 6. À côté, entre là et là, il y en a 10. Entre là et là, il y en a 6. Entre ici, sur le côté, du coup, et là, il y en a 16. Hop, entre ici par devant... Jusque là, il y en a 23. À partir du bloc du côté jusque là, il y en a 10. L'idée, c'est qu'ils sont la même chose qu'en dessous, hein, vous voyez. Sur cette partie-là de la maison, c'est la même chose qu'en dessous. On revient par derrière ici, jusque là, et c'est 23 blocs. Hop, entre ici et là, on en a 16. Donc on vient sur le côté ici faire une grande ligne... Hop, comme ça, de 43 blocs. Pareil qu'en dessous, hein, et du coup, évidemment, vous voyez, la même chose ici. Hop, ici, sur le côté, jusque là, il y a 10 blocs. Hop, et entre là et tout jusqu'au bout. Hop, jusqu'ici, on en a 42. Et normalement, vous êtes aligné avec le reste là-bas, hein, vous voyez. Alors, sur le côté, on met 3 blocs, comme ça. Hop, par l'arrière, à partir de là jusqu'ici, on a 13. À côté, on en a 1, 2, 3 ici, comme ça. Puis 1, 2, 3, 4, 5. Et vous êtes aligné avec la ligne du fond là-bas. À côté, entre là et ici, il y en a 10. Par devant, entre ce bloc-là et celui-là, il y en a 5. Je vais me mettre comme ça pour que ça se voit mieux. Hop, entre ici, jusque là, il y en a 17. On compte 3 blocs par devant. Hop, sur le côté, jusque là, on en met 10. Entre là et là, il y en a 3. Hop, à côté, hop, jusque là, c'est 16. Hop, celui-là, jusque là, 11. Hop, et entre ici
Et là, il y en a 5. Et normalement, vous êtes retombé à notre bloc de départ. Bref, même histoire, on rebouche tout ça. Ok. Bon, alors, l'étage du dessus, vous voyez que ça se rapetisse petit à petit. Donc, ça va aller un petit peu plus vite. On va prendre, vous voyez, l'extension qui est ici. Là, vous voyez, ils vont vraiment complètement à l'arrière de la maison. Ça, c'était nos coins de départ. L'extension qui est juste à côté, eh bien, c'est le coin ici que l'on va prendre, ok, comme repère. On va compter 1, 2, 3, 4 et 5 blocs au-dessus pour poser notre bloc de quartz. D'accord ? Donc, notre bloc de quartz, il est là. On va aller vers l'avant, d'accord, entre ce bloc-là, jusque ici, on a 30 blocs. Entre là et là, on en a 10. On revient vers l'arrière, jusque là, jusqu'ici, on en a 11. Hop, par devant, entre là, jusque là, on en a 42. 42 la réponse. À côté, entre là, et ici, il y en a 13. Je vais me mettre comme ça. Hop, entre ce bloc-là, du coup. Et hop, ici, il y en a 42. Hop, entre ce bloc-là et ce bloc-là, il y en a 5. Et normalement, vous êtes aligné avec le bloc avec lequel on est parti. Et donc, entre les deux, vous avez 9 blocs de distance. Ok, c'est parti. On bouge tout ça. Hop. Ok, partie du dessus du coup et dernière partie, dernière surface en tout cas. Alors pas du tout la dernière partie de la maison, mais dernière surface. Est-ce qu'on a un repère? On va prendre le coin ici, vous voyez, d'accord? Comme repère. On va compter 1, 2, 3, 4 et 5 blocs vers l'arrière, d'accord? Et on va compter 1, 2, 3, 4 blocs en hauteur. Donc vous avez bien compris, le tout premier étage c'était 6 blocs de hauteur, le deuxième et le troisième et c'était 5 blocs de hauteur, et maintenant le dernier à 4 blocs. Donc il y a 3 blocs ici, 4 blocs. Ok, pour le toit. Hop, à partir de ce bloc là jusque à ce niveau là, on en a 16. Hop, par devant, youp, jusqu'ici on en a 10. On en met 2 sur le côté ici comme ça. Par devant, entre là et là, on en a 23. À côté, entre ici et ici, c'est 13. Hop, on va sur le côté, entre là et là, il y en a 6. On revient vers l'arrière, entre ici et ici, il y en a 4. Puis à côté, entre là et là, il y en a 17. Puis 1, 2, 3, 4 par devant, ou par l'arrière si on prend la... Voilà. Hop, entre ce bloc-là et ici, on en a 10. Et normalement, vous êtes revenu à votre point de départ et on va remplir la surface. Comme à chaque fois, bien sûr. Hop, ok, donc... On a nos plateformes comme ça. Pour l'instant, ça ressemble plus à un millefeuille, mais bon. On va faire des murs en quartz maintenant. Donc, je vous invite à vraiment aller sur l'avant de la maison, comme ça. Et vous voyez, le premier... comment dire? La première partie ici, vous voyez, prenez cette ligne-là. Hop, et en fait, au niveau du bas ici, vous voyez, vous avez l'espèce de petite démarcation à ce niveau-là. Sur toute cette ligne ici, on va mettre un... mur en quartz. Tac, tac, tac. Yep. Ok. On va faire la même chose là-bas. Vous voyez, donc sur l'autre partie de la maison. Sur toute la ligne ici, on va la monter au plafond. Hein. Tac, tac, tac. Vous avez compris l'idée. Tac, sur toute la surface. Hop. Et pareil sur le côté ici, donc sur toute la ligne ici jusque arriver à ce croisement. Tac, tac. Et comme ça. D'accord, donc toute cette surface là, on va directement la combler. Hop. Ok, sauf que, en fait, non.
Ah, vous allez voir. En fait, sur notre maison qu'on avait fait en sur Twitch d'ailleurs, oui, petite parenthèse, c'est vrai que je l'oublie de le dire, mais les maisons que l'on fait ici, que je fais en tutoriel, on les réalise d'abord ensemble sur Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch aussi si jamais vous avez envie de voir ça. Donc, ici vous voyez donc sur ces murs, on va mettre des dalles comme ça sur la partie haute du mur. Et donc on va faire la même chose parce que c'est stylé. On va le faire de 7 blocs ici comme ça et de 15 dans ce sens. D'accord, vous voyez. Donc vous prenez les blocs de dalles de quartz. On vient sur le haut ici. D'accord. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dans ce sens là. Et donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 comme ça. D'accord, on met des dalles de quartz. Hop, comme ça. Voilà. Ok, maintenant on va reprendre des blocs de quartz et on vient au deuxième étage. Donc vous voyez le bord de nos parties en quartz ici, comme ça, ici et ici. On vient complètement les remplir avec des blocs de quartz pour faire les murs. Hop, ici. Je vais vous montrer après pour le vert bleu, hein. Je sais que vous le voyez ici. Ce sera la piscine. Mais vous voyez, donc, cette partie-là, pareil, on la, hop, comble quand même. Hop. Voilà. Ok, ça c'est tout pour le deuxième étage. Normalement, c'est le premier étage parce qu'il y a le rez-de-chaussée avant, mais moi je dis toujours, premier étage c'est le bas, c'est le rez-de-chaussée. Comme ça, c'est beaucoup plus simple, je trouve. Bref. Troisième étage, ou étage du dessus. On vient sur l'arrière de la maison. Vous voyez, et entre les petites balcons qu'il y a ici et là, eh bien, le mur qu'il y a entre les deux, on va faire un grand mur en quartz qui vient combler tout l'espace jusqu'au plafond, comme ça. Hop, et puis, eh bien, c'est tout pour le troisième étage. Pour le dernier étage jusqu'au toit, en fait, on vient sur le côté de la maison, vous voyez ici. Et sur toute l'arête du toit à ce niveau-là, vous voyez, donc sur tout le côté du toit, on va mettre un mur en quartz de la même façon que pour les autres. Voilà, donc au niveau du quartz, on en a terminé pour l'instant. Hop, et on va mettre les murs de la maison. Alors, en fait, il reste un petit morceau de mur en quartz à mettre. Hop, ici, vous voyez, donc, sur cette partie-là de la maison. Eh bien, en dessous, ok, donc on est au... Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, on est au 1, 2, 3e niveau de la maison, ok. Et là, au niveau du coin, on met un bloc de quartz à ce niveau-là. On met une ligne de 12 blocs pour être juste au-dessus de la terrasse du dessus. D'accord. Et on met, hop, 3 blocs comme ça de hauteur de quartz. On touche pas le plafond. Hop, comme ça. Et puis après, on va venir reprendre les dalles qu'on avait déjà utilisées juste en dessous. Ok, et on va venir mettre une ligne de dalles ici comme ça. Hop. Voilà. Pour le quartz. Alors maintenant, vous avez remarqué que j'ai mis tous les bases des murs et... L'idée, c'est que du coup, j'ai mis la base des murs et il faudra prolonger cette base-là jusqu'au plafond pour vous. D'accord? Donc, j'ai mis ici des vitres de temps en temps, du grès de temps en temps. Et voilà, il faudra les prolonger jusqu'au plafond pour les vitres faire une fenêtre. Et puis pour les murs et puis tout ça. Donc, je vais vous donner au sol les dimensions pour faire les murs. Du coup... Du coup, on va prendre le coin à ce niveau-là, ici, de la maison, et on va prendre des vitres, ok? Donc, vous allez de 2 blocs à l'arrière, vous mettez 2 vitres comme ça, ici. Puis, on va utiliser du grès taillé pour faire les murs. On va faire une ligne de 6 blocs de grès, ok? Puis, on va faire une fenêtre de 5 blocs de long. Puis on va mettre du grès comme ça sur 8 blocs de long. On va dans ce sens là et on met une ligne de 6 blocs. Ici ce sera l'entrée principale de la maison sur 5 blocs de large. Puis après on reprend le grès et on met
7 blocs de longueur de grès. Ici, on met juste une vitre sur le côté. On laisse 3, 4, 5 blocs d'espace et on remet une vitre. Hop, entre là et là, on a 7 blocs. Hop, ici, on a une vitre sur 6 blocs. Puis entre là et là, il y a 7 blocs encore. Hop, entre ici et ici, 7 toujours. Hop, et là, il y en a 5, du coup, 5 blocs de vitres derrière. Et ici, on rajoute du grès jusqu'au mur, donc on en a 6. Ok, sur l'autre partie de la maison, ici, du coup. Ah bah tiens. Ah, alors là, du coup, avec le quartz, on s'était resté, ce mur-là, on l'avait arrêté, vous voyez, au niveau du coin ici, comme ça. En fait, on va mettre un bloc de plus. Ok. Pour le quartz. Hop. Donc, une fois qu'on a ce bloc supplémentaire, on va mettre par devant un bloc de grès. Et on va en mettre un par derrière vers l'intérieur de la maison. Et au total, ça nous fera 1, 2, 3, 4 blocs de grès. Sur le côté, 2 blocs de vitre. Puis 2 blocs de vide. Hop. Puis après, on remet une ligne de vitre sur 6 blocs. On remet du grès ici comme ça sur 3 blocs vers ce sens-là. Hop, entre ce bloc-là et celui-là, il y a 8 blocs de vitres. Puis du grès sur 7 blocs. On met 2 blocs de vitres. 1, 2, 3, 4 blocs où on ne met rien pour faire une entrée. On reprend les blocs de grès sur 7 blocs. Les vitres sur 7 blocs. Le grès sur 7 blocs toujours, les vitres sur 5 blocs, le grès ici sur 15 blocs, puis après on va faire une grande partie vitrée comme ça, donc on va mettre des vitres du coup sur 1, 2, 3, 4 blocs ici comme ça, puis après par devant, hop, entre là et là il y a 11 blocs de vitres, puis après on revient comme ça sur 3 blocs, ok, de vitres. Par derrière, on remet une ligne de grès, hop, entre là, jusque là, de 8 blocs. Ici, 5 blocs de vitre, hop. Ici, du grès sur 6 blocs, et 2 blocs de vitre jusqu'au mur. Et normalement, vous êtes tout aligné parfait avec ce qu'il y a en face. Ok, et bien sûr, maintenant, il faudra mettre tous ces murs-là jusqu'au plafond. Hop, on va passer directement à la deuxième, au deuxième niveau. Peut-être que je devrais mettre les escaliers d'abord, ça serait plus pratique pour ceux qui sont en survie. Donc on va prendre les escaliers en quartz. Et donc vous voyez que ici, là, il y a toute une zone où il y a du quartz au premier étage, mais pas au deuxième. Et ici, en fait, on va mettre un escalier. Hop, hop, hop. Hop, et toute la zone qu'il y avait en dessous, ça servira à faire l'entrée de l'escalier, en fait, tout simplement. Hop, on va mettre un escalier comme ça. Tac, 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 tac. Hop, voilà. Donc on met un escalier comme ça, du coup, pour aller au deuxième niveau. Puis après, au niveau de cette terrasse ici, on va remettre un escalier à ce niveau-là, vous voyez, sur 3 blocs de large. Et on va refaire la même chose. Hop, hop. Alors, hop, voilà. Tac et tac. Et on refait la même chose qu'en dessous. Ok, on va rajouter encore un autre escalier, mais cette fois-ci, du coup, là-bas, d'accord? Donc au niveau de la bord de cette terrasse ici, 1, 2, 3 blocs, comme ça. Et puis, hop, la même chose, hein. Hop, ok. Et donc, vous voyez qu'avec ces trois escaliers, on a l'accès pour tous les murs de la maison, enfin, tous les étages de la maison. Normalement, tac, tac, yup, tac, voilà, c'est bon. Normalement, on a tout. Ok, donc je vais vous donner maintenant les murs pour le premier étage de la maison. On va utiliser du coup des blocs d'ardoise des abîmes carrelés. Parce que c'est super stylé comme bloc, vous voyez. On va partir du bord ici, d'accord. Hop, juste un bloc par derrière. On va mettre de la vitre sur 8 blocs.
Par contre, cette vitre ici, entre ce, à partir du mur là-bas tout jusqu'ici, ça sera juste une vitre simple, il n'y aura pas besoin de la monter jusqu'au plafond. C'est juste une barrière pour une terrasse, d'accord? Pour les autres vitres, quand je ne dis rien, il faudra les monter jusqu'au plafond. Quand je vous dis effectivement voilà, que ce sont juste des barrières pour les terrasses, il ne faudra pas les monter. Ok, entre ce bloc-là du coup et celui-ci, on a 5 blocs. Puis après, hop, je vais mettre comme ça, on va mettre une ligne d'ardoise des abîmes carrelée comme ça sur 5 blocs. On va faire une ouverture de 4 blocs de large. On va remettre 3 blocs des ardoises comme ça. Puis après, une barrière de terrasse, donc il n'y aura pas besoin de les monter jusqu'au plafond. Sur, hop, bah tout jusqu'au bout, en fait, tout jusqu'au bout de la terrasse, 21 blocs pour ceux qui veulent absolument les dimensions. Mais voilà, c'est jusqu'au bout de la terrasse. Et à côté, jusqu'au bout de la terrasse aussi, pareil, sur 9 blocs. Hop, on reprend ce bloc-là, et par devant, on a 1, 2, 3, 4, hop, blocs où on ne mettra rien du tout. Puis après, on met 1, 2, 3 blocs de vitre. Hop, par derrière, entre celui-là et celui-là, il y a 7 blocs. Pour ceux qui veulent aller un peu plus vite, l'idée, c'est que tout simplement, les murs d'un étage à l'autre sont superposés. Vous voyez ici, ça, les fenêtres à ce niveau-là, les fenêtres à ce niveau-là, les fenêtres à ce niveau-là, sont toutes les unes par-dessus les autres. Les murs sont toutes les uns par-dessus les autres aussi. Donc voilà, ça permet d'aller un peu plus vite. Moi, je vais quand même donner toutes les dimensions. Donc, on était arrivé à ce niveau-là. À côté, on a une fenêtre de 5 blocs de large. Puis, des ardoises sur 7 blocs. On va dans ce sens-là et on met 5 blocs de vitre, hop, 6 blocs d'ardoise, 5 blocs de vitre et 7 blocs d'ardoise. On va de l'autre côté ici du mur et vous voyez, on laisse un bloc de marge sur le côté pareil et on met une ligne d'ardoise ici comme ça sur 7 blocs, on fait la même chose qu'en face, puis 5 blocs de vitre, puis hop, 6 blocs d'ardoise et 5 blocs de vitre. On revient ici, hop, et on remet une ligne de 7 blocs d'ardoise, 6 de vitre, 7 d'ardoise, on revient dans ce sens-là, hop, hop, 7 d'ardoise dans ce sens-là, 5 de vitre, 6 d'ardoise, 5 de vitre, 11 d'ardoise, 5 de vitre et 3 d'ardoise derrière pour coller au mur avec un bloc d'écart par rapport au bord du mur. La même chose de l'autre côté, on va laisser un bloc d'écart par rapport au bord du mur, 3 blocs d'ardoise, 5 blocs de vitre, 11 blocs d'ardoise du coup pour être pareil qu'en face. Normalement, c'est 5 blocs de vitre ici, 6 blocs d'ardoise, hein, si je compte bien, voilà. 5 blocs de vitre, et on enchaîne avec 8 blocs d'ardoise. Vers l'intérieur de la maison, à partir du moment où on a ce bloc-là, on va compter, hop, 5 blocs d'ardoise, comme ça. On revient ici, on en met 1, 2, 3, comme ça, sur le côté. On met un bloc d'ardoise comme ça par devant, puis des vitres sur 8 blocs. 2 blocs d'ardoise encore par devant. Pour être sûr que vous vous êtes pas trompé, lorsque vous arrivez à ce niveau-là de blocs, vous êtes juste à un bloc en diagonale du bord ici. Vous voyez, comme ça. Hop, on met 3 blocs d'ardoise sur le côté ici. Ici, on a une grande fenêtre de 7 blocs. Hop, hop, 7 blocs d'ardoise, 6 blocs de fenêtre, 7 d'ardoise, on laisse 3 blocs où il n'y a rien pour laisser une entrée, on met 4 vitres, 7 ardoises, 5 vitres, 7 ardoises, et 7 ardoises, et normalement vous retombez contre le bloc de départ de notre
étage, voilà. Ok, très bien. Maintenant, on va à l'étage du dessus. Ok, on vient prendre ce bloc-là comme repère. Vous voyez, donc on est bien ici, juste au-dessus de l'escalier. Tac, ici. On vient venir prendre ce bloc-là. On met un bloc sur la diagonale, un bloc d'ardoise ici. Hop, vers le mur là, on va compter, hop, entre là et là, 7 blocs d'ardoise. Ici à côté, 3 ardoises, entre là et là. 5 vitres. 7 ardoises. Par contre, on va mettre des vitres, vous voyez, non pas sur ce bloc-là, mais sur le bloc juste d'avant, dans ce sens-là. Et ce seront des vitres de barrière de terrasse, donc il n'y aura pas besoin de les mettre au plafond. Ce qui compte, ce qui est plutôt une bonne chose, vu qu'il n'y a pas de plafond, du coup, effectivement, ça aurait fait des grandes, grandes vitres. On les met jusqu'au bout, ça nous fait 24 blocs de vitres jusqu'au bout ici. La même chose en face, du coup. Hop, jusque là. Hop. Donc, entre ce bloc-là, donc à partir de là jusque là, on va laisser 7 blocs de vide et on va venir reprendre les ardoises ici jusque là sur 7 blocs. Si normalement c'est 6 blocs, c'est ça, ouais, 6 blocs de vitres. Hop, et des ardoises derrière sur 7 blocs. Ok, on vient de ce côté là du mur, on compte à partir de là un bloc par derrière et 2, 3, 4 blocs comme ça. Où on ne mettra rien. On compte une ligne d'ardoise de 5 blocs jusque là, entre là et là. Par devant, hop, entre là et là, on met 12 blocs d'ardoise. On va compter 1, 2, 3 blocs de vide, on met rien. Puis on met 5 blocs de vitre. Hop, entre là et là, il y a 7 blocs d'ardoise. On vient mettre une vitre comme ça pour faire une barrière de terrasse sur le bloc à côté, vous voyez ici du bout de notre ligne d'ardoise. On met voilà, des vitres jusqu'au bord, on revient ici et on compte jusque là, donc avec un bloc d'ardoise de décalage ici comme ça. On revient ici, on va mettre une ligne de vitre sur 7 blocs de long. À côté ici de l'ardoise, jusque là de 6 blocs de long. On reprend là, jusque là 6 blocs d'ardoise, 6 de vitre, 7 d'ardoise, 2 de vitre, 2 de rien et 3 de vitre. On remet 3 ardoises comme ça et normalement vous avez une... ça se colle au mur ici comme ça. Par devant, on va rajouter des vitres comme ça. Par contre, ce seront des barrières de terrasse, donc on ne les monte pas au plafond. Jusqu'au bord. Et on fait ça sur tout le long du bord, vous voyez, de la terrasse ici. D'ailleurs, au niveau du dessous, il faudra faire la même chose. Tac, 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 comme ça. Hop. Youp, youp, youp. Ok. Et puis on est bon pour cet étage. Donc, l'étage du dessus, on en était là-bas. D'accord. Donc on va venir prendre ce morceau-là, d'accord, ce mur-là. On va mettre un bloc par derrière et on va compter des ardoises sur 5 blocs. On va laisser 3 blocs de rien. On va revenir mettre une ligne d'ardoise comme ça vers l'avant de 3 blocs. Ici sur le côté, entre là et là, c'est 6 blocs, puis 6 de vitre, 7 ardoises, et puis 4 de vitre. En face, ça va être un petit peu plus compliqué, donc on va venir prendre l'arrière du mur ici. Vous voyez, on était parti de là, youp, on vient ici, on met un bloc d'écart ici, on prend une ardoise sur 5 blocs à ce niveau-là. On laisse 3 blocs d'ardoise comme ça, enfin de vide. On vient entre ici et là, mettre 5 blocs d'ardoise. Entre ici et là, 6 blocs. 6 vitres.
et 7 ardoises. Ok. Vous voyez qu'on est pas mal décalé du coup par rapport au bord ici du mur, hein. Donc l'idée c'est que l'on va venir mettre une grande ligne de vitres. On va mettre jusqu'au bord du toit ici, vous voyez, des vitres en dessous sur tout le bord ici du mur, sauf qu'on va laisser un écart à ce niveau-là. On va venir prendre la ligne de blocs ici comme ça, on va venir mettre des vitres par devant jusqu'au bord. On va venir suivre le bord après comme ça jusqu'ici. Ok, ça a été un petit peu éprouvant de donner toutes ces dimensions comme ça tout le temps. Mais maintenant qu'on a tout ça, il ne reste plus qu'à les monter au plafond. Hop, comme ça. Hein. Et puis, il n'y a plus qu'à quoi. Ok, enfin. Voilà, donc on a monté les murs pour la maison. Maintenant, on va faire la piscine parce que quand même, ça manque un peu. Prenons joyeusement le verbe clair, voyez-vous. On va prendre le bas ici, vous voyez, de cette partie de la maison. Le coin, on va monter juste un bloc au-dessus. Il y a encore un bloc à côté. Et on va poser notre cube, notre premier cube de verbe clair ici, comme ça, vous voyez. Hop, sur le côté de là, jusqu'à là, on a 9 blocs de verre qu'on va mettre comme ça. À côté, par devant la maison en fait. Jusque là on va en mettre 8. Et puis à partir de là on va mettre une ligne de verre quasiment tout jusqu'au mur là-bas. Donc entre là et ici, en fait vous voyez, donc il y a un décalage, ça touche pas le mur exactement, mais quand même, il y a 35 blocs. Hop, entre là du coup, et là vous avez 8 blocs, et normalement vous êtes aligné avec l'autre qu'on avait commencé à mettre. Entre ici et ici, normalement, vous avez 26 blocs, ok, de verre bleu. Une fois qu'on a ça, eh bien, on va remplir la surface de verre bleu clair. Hop, voilà, donc là, on a notre première surface. En fait, ça va être le fond de la piscine. Et puis, on va monter des murs tout autour, vous voyez, de 3 blocs de hauteur sur tous les bords. Hop, comme ça. Hop, voilà. Alors, bon, c'est pas le tout d'avoir une grande piscine surélevée, il faut aussi avoir des supports pour la maintenir dans les airs, parce que sinon ça fait un petit peu surréaliste. Donc, on va prendre des dalles de roche lisse, vous voyez, et on va compter à partir du bord de la piscine ici, vous voyez, 1, 2, 3 blocs, et on va mettre 2 dalles de roche lisse comme ça, l'une par-dessus l'autre, pour faire un bloc. On peut prendre des blocs de roche lisse directement, hein. C'est pas interdit. Hop, vous prenez 1, 2 et 3 blocs aussi de l'autre côté, vous voyez, vous mettez vos dalles de roche comme ça. Et on va s'en servir pour faire des poutres qui vont se prolonger sur la longueur de la piscine. Sauf qu'on va laisser 2 blocs de marge sur le côté là-bas. Ok, on va faire la même chose à côté ici. Et on va faire ça aussi bah, sur les deux dalles d'épaisseur du bloc ici, vous voyez, comme ça. Tac, hop. Yep. Voilà, donc pour nos deux premières poutres. Ok, on va prendre ici, vous voyez, cette partie de la maison. On va prendre le coin, on va compter 1, 2 et au troisième bloc, on va mettre une dalle en dessous. D'accord, mais ça sera juste une dalle ce coup-ci. La même chose de l'autre côté. 1, 2 et 3, on met une dalle en dessous. Ok, on va mettre 3 dalles sous la maison. Et on va prolonger ces dalles, hop, de l'autre côté, comme ça, jusque là, hop, de là, des poutres. On va doubler l'épaisseur, mais par-dessus, vous voyez, on va mettre des dalles comme ça par-dessus, hop, tac, 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 viup, et tac, comme ça, on a vraiment l'impression que les poutres se chevauchent l'une l'autre, vous voyez, et c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser des dalles de roche lisse et non pas des blocs de roche lisse pour faire les premières poutres, parce que là du coup on voit vraiment bien que ça s'emboîte les uns dans les autres. Même chose ici du coup, hop, hop, vous voyez, donc voilà, là on a nos deux réseaux de poutres, ce qui est déjà mieux, mais c'est pas suffisant pour être vraiment crédible.
Donc on va utiliser des espèces de grands pilotis en andésite poli que l'on va mettre en dessous. Du coup on va les mettre sur la ligne du milieu de la piscine ici comme ça, d'accord, en dessous. Puis on va compter à partir du bord de la piscine, ici on est là, hein. 1, 2, 3 blocs, et à partir du troisième bloc on va en mettre nos deux parties ici comme ça, en andésite, sur le sol. On va les mettre à 2 blocs de hauteur, et on va prendre aussi les escaliers en andésite poli. On va les mettre comme ça, comme ça, ok, tac, 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 tac. Comment je vais faire mon histoire? Hop. Est-ce que c'était comme ça? Ah, ça devait être comme ça. Voilà, j'ai retrouvé un peu la façon de faire. Donc voilà, vous mettez deux blocs d'andésite, comme ça, deux blocs d'andésite, puis un en dessous. Et puis au niveau des creux et des coins, vous mettez des escaliers. Tac, 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 comme ça. Comme ça, vous avez des piliers en andésite qui sont mastoc et qui font tout de suite beaucoup plus crédibles pour pouvoir soutenir une piscine de cette taille et de ce poids-là. Parce que vous imaginez bien que lorsqu'elle est remplie d'eau, elle fait un poids très très important. Et donc, il faut des gros 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 piliers pour les soutenir. Pour soutenir tout ça. Tac, tac, vous voyez comment je mets les blocs d'andésite. Vous voyez comme ça, un peu en forme de V. Puis on met des escaliers comme ça. Hop. Voilà. Et on fera la même chose ici. Alors la distance qu'il y a entre deux pilier comme ça, vous prenez le milieu et hop, vous mettez 10 blocs de distance entre les deux. Puis de l'autre côté, entre là et là, vous en avez 11. Et puis vous refaites le même pilier ici, etc, etc, hein, bien sûr. Je vous remontre pas. Ok, donc vous voyez aussi que j'ai mis plusieurs autres choses au niveau du sol. Alors là, déjà, ça sera la marque pour le parking de la maison. Ici, ça sera une autre piscine avec au milieu une terrasse en bois dans la piscine. Hop, et vous avez vu aussi, hop, les deux espèces de rectangles à ce niveau-là. Là, ça sera une terrasse sous la maison ici. Et ici, ce sera un enclos. C'est vrai que je ne vous ai pas montré du coup sur au tout début de la vidéo sur la visite de la maison. Mais en fait ici c'est un enclos à panda à la base. Hop, hop, vous voyez. C'est pour ça que c'est un enclos qui est creusé un peu dans le sol comme ça. Et sur lequel il y a des bambous. Et c'est pour ça qu'il y a un petit peu de bambou un peu partout sur la maison. À la base c'était censé être le thème de la maison, de faire une maison avec le thème du bambou, en mettre partout. Et bon, au final c'est surtout une maison moderne plus qu'une maison de bambou, mais bon. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc il y a des pandas. Un enclos à pandas dans la maison. Ok. Donc on va aller faire tout ça. On va commencer par la clôture de la maison. Parce que... ben, on l'a pas encore faite finalement. Hein. On a mis les délimitations au sol, mais on l'a pas fait la clôture. Donc l'entrée de la maison, on va la faire à partir du bord ici, vous voyez. Du coin à ce niveau-là. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 blocs. Et au niveau du 7ème bloc, on va creuser de 4 blocs dans le sol. Et on va mettre des enclumes dans le sol. Ok ? Ça, ça va nous faire l'entrée de la maison véritablement. Sur le côté de ces enclumes, on va mettre 1, 2, 2 blocs de... enfin, 2 dalles de diorite poli. D'accord ? Pour faire vraiment l'entrée. On va mettre après du coup un espèce de pattern tout autour de la maison qui va ressembler à ça. C'est-à-dire on va mettre un bloc d'andésite, de diorite, décidément c'est de diorite. Hop, et on va mettre 5 dalles de diorite entre deux blocs de diorite finalement, poli, de diorite poli effectivement. Et on va tout recouvrir par un tapis blanc. Vous voyez, comme ça, ça nous fait des espèces de trous à intervalles réguliers. Et ce même pattern-là, on va le prolonger sur tout le tour de la maison. Il faudra juste mettre bien des blocs au niveau des coins. Ça, on mettra des blocs à chaque coin de la maison
parce que sinon ça fait moins bien, vous voyez, comme ça. On va compter après le reste du pattern. Hop, donc on a un bloc, 5 dalles, un bloc, 1, 2, 3, 4, 5 dalles, un bloc, 1, 2, 3, 4, 5, un bloc, 1, 2, 3, 4, 5, un bloc, 1, 2, 3, 4, 5, un bloc, etc., etc., hein, vous avez compris l'idée. Et on rajoute des tapis par-dessus, des tapis blancs sur toute la longueur. Hop, ok, pour faire tout le tour. Ok, du coup, une fois qu'on a notre entrée et notre clôture, on va faire le parking. Donc, dans le prolongement ici, vous voyez, de nos enclumes, on va creuser dans le sol et on va mettre une ligne jusque là, donc de 29 blocs de longueur, d'andésite polie. Hop, c'est bien d'andésite, ce coup-ci, c'est pas de la diorite. Vous voyez, par devant, comme ça, hop, on va faire un... Hop, voilà, on va faire un sillon comme ça et on va le remplir en andésite poli, d'accord? Ok, donc là c'est vraiment juste pour la base du parking. On va compter 1, 2, 3 et 4 blocs d'andésite et sur le côté ici on va mettre juste de l'andésite normal, vous voyez? Et on va faire tout le tour du parking comme ça, tout jusque là et puis on va faire tout ça comme ça. Donc, entre là... Et jusque là, on a 27 blocs d'andésite. Puis après, sur le côté, entre là, jusque là, on a 15 blocs d'andésite, pardon. On va, hop, revenir comme ça. Hop, jusqu'ici, on en a 26. Et puis de là jusqu'à là, on en a 10. Et l'idée, c'est que toute cette surface-là, on va la remplir en andésite poli. Youp! Allez, on fait ça. Voilà. Très bien. Donc, une fois qu'on a ça, on va venir mettre des escaliers d'andésite poli dans le sol pour pouvoir faire les différentes places de parking. On va partir du haut ici et on va compter tous les 5 blocs. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et le bloc de derrière, on va faire une petite ligne de 6 blocs aussi comme ça. Et on va mettre des escaliers dedans comme ça. Pour faire une espèce de trace au sol, pour faire comme une place de parking finalement. Hop, donc là on va recompter 1, 2, 3, 4, 5, paf, hop, 1, 2, 3, 4, 5, paf, hop, et normalement ici on peut plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, allez on refait une autre ici comme ça, et puis on met des escaliers dans des itens, comme ça, hop. Yep. Pour faire des places de parking. Alors on va vraiment, hop, vraiment finir vite fait le parking en mettant quelques petites décorations. Hop, on va utiliser des end rods et on va les mettre juste en face, vous voyez, des espèces de sillons en escalier qu'on vient de mettre. Juste en face comme ça des escaliers, hop, sur l'herbe. Et on va mettre des end rods avec des feuilles par-dessus pour faire un petit peu de déco et en même temps un petit peu de lumière. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir faire cette piscine là, tant qu'à faire. Hein. Et donc, alors, on va partir du coin ici comme ça, d'accord? On va compter, hop, 30 blocs pour arriver ici. À partir de la barrière, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs, d'accord? Pour mettre un bloc de quartz dans le sol, comme ça. Puis on va faire un espèce de rectangle en quartz, comme ça. Donc entre ce bloc-là et l'autre là-bas, on en a 28 blocs. Par devant, entre lui et lui, on en a 16. Entre lui et l'autre là-bas, on en a 27. Et on revient ici. Jusque là, on en a 15 et normalement, vous rejoignez le bloc de départ. Ok, mais vous voyez qu'il y a un autre rectangle à l'intérieur. Ça va être la trace pour la future terrasse qui ira dans la piscine. Donc, on va prendre le coin ici, on va venir sur l'herbe, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 et 6 blocs. Puis 1, 2, 3,
4, 5 et 6 blocs pour mettre des planches de sapin ici comme ça. D'accord. Hop, et donc on va, hop, à partir de là, sur la longueur jusqu'ici, mettre 16 blocs de planches. Hop, de là jusque là, 4 blocs. Et normalement, paf, de là jusqu'à là, on rejoint 15 blocs. Et ici, voilà, 4 blocs ici comme ça, très bien. Une fois qu'on a ça, on va venir prendre les planches de sapin et on va venir remplir tout l'intérieur ici comme ça, d'accord. Hop. Ok, donc maintenant on va creuser dans l'herbe comme ça jusqu'à 3 blocs de profondeur, d'accord. Hop, donc l'herbe ici comme ça sur, hop, 2 sur 3 blocs, hop, et ce sur toute la surface de l'herbe. Hop. Ok, voilà ce que ça donne. J'ai toujours des trucs bizarres, moi, qui volent. Alors, voilà ce que ça donne. Du coup, on va mettre des escaliers en sapin. Hop, voilà. Ok. Sur le bord, ici, vous voyez, de notre partie en planche de sapin. On va les mettre à l'envers sur tout le pourtour, comme ça. D'accord. Hop. Hop. Hop et hop. Déjà, voilà. On va mettre des blocs en dessous, tout simplement. Hop, comme ça, sur tout le pourtour. Ok. Voilà. Donc, maintenant, on peut utiliser le béton bleu clair pour pouvoir mettre tout le fond de la piscine en bleu. Hop. Et alors, du coup, il ne nous reste plus que cette couche de terre ici à enlever. L'idée, c'est qu'on va creuser de 2 blocs, vous voyez, dans le sol comme ça, de 2 blocs de profondeur. Hop. Et on va mettre en deuxième couche, j'ai envie de dire, en profondeur, on va mettre des lanternes aquatiques. Vous voyez, on va mettre toute une ligne comme ça de lanternes aquatiques. Hop. Vous voyez, pareil, hein, on va faire ça sur toute la surface. On mettra des lanternes aquatiques comme ça, et partout, tout autour. Et avec des dalles de quartz, on va mettre une ligne de dalles, hop, comme ça, au niveau des pieds des lanternes aquatiques, sur toute la surface. De sorte que, lorsque ce sera la nuit, il y aura un éclairage naturel qui va sortir du côté de la piscine sur les murs de la piscine. Donc, vous voyez l'idée. Donc c'est assez stylé. Je vous le fais pas, vous avez déjà vu sur la maison. Je vais essayer de gagner un petit peu du temps. Alors, on va revenir au niveau de notre parking. On va prendre des andésites polies et des andésites qui sont pas polis, du coup, qui racontent des insultes et tout ça. Hop, et on va prendre ici le bord de notre parking. On va laisser un bloc de marge et on va faire un carré comme ça dans le sol. On va venir mettre 2 andésites comme ça. Et 2 andésites polis comme ça. Vous voyez, pour faire un truc un peu sympa. Et en fait, ça va nous permettre de faire un petit peu comme des marches, mais ou comme un passage piéton, jusqu'à l'entrée là-bas. D'accord. Donc on va faire des carrés dans le sol comme ça, vous voyez, en espaçant d'un bloc à chaque fois, en décalant d'un bloc à chaque cran comme ça. Ok. Tac 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 tac, jusqu'à être parfaitement aligné avec la porte comme ça. Hop 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 hop. Alors, on va essayer de mettre tous les andésites dans le même sens, vous voyez, comme ça. Puis après tout, mais pourquoi non? Voilà, andésite poly. Hop, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc c'est plutôt pas mal. On va mettre la même chose entre le parking et l'entrée ici, vous voyez, de l'escalier. Hop, comme ça. Tac, tac. Tac, tac. Ok. Ok, bon, bah ça avance. Ça avance, ça avance. On va venir prendre le coin de la maison qui est ici. Vous voyez le coin là, tac, tout au niveau du bas. Et on va venir faire les enclos et la terrasse.
Donc, on va prendre 1, 2, 3 blocs ici sur le côté. Un bloc par derrière. Et pourquoi j'ai plus la hache en bois? Voilà, très bien. Donc, on va mettre une ligne dans le sol de grès taillé. Et on va le prolonger sur l'avant de la maison jusque 19 blocs, comme ça. D'accord? On va sur le côté, on fait une ligne de 10 blocs. On revient, on fait une ligne jusque là de 18 blocs pour être aligné avec l'autre en face. Et on relie les deux, hop, comme ça, ici sur toute la longueur. On va laisser 2 blocs d'écart par rapport à notre carré qu'on va faire à côté. Et on va mettre ici 12 blocs sur la largeur, d'accord? Et à côté, entre là et là, 18 blocs. Donc en fait, c'est le même carré que ce qu'on a mis à côté. Oui, c'est un rectangle, mais ouvrez votre esprit, ouvrez vos chakras, vous y verrez un carré. Si vous avez même envie d'y voir un rond ou un triangle ou un hippopotame, ben vous pouvez. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors, entre ce bloc-là et ce bloc-là, pareil, 12 blocs, hein, et puis après on rejoint là-bas. On va faire ce carré-là en premier. On va enlever déjà tout le sol ici. Hop, comme ça. Et puis du coup, maintenant qu'on a creusé d'un bloc dans le sol, on va venir mettre des dalles en sapin sur tout le fond, en fait, de notre terrasse. Hop, comme ça. Voilà, donc je vous montrerai après les détails un petit peu plus tard. On va passer à l'enclos à côté, et là, ce coup-ci, on va creuser de 2 blocs de profondeur, ok? Vous voyez, hein, 2 blocs comme ça. Hop. Ok, une fois que l'on a ça, on va venir utiliser du grès taillé, et on va venir ici mettre du grès comme ça. La même chose par derrière là. Ok, et on va utiliser des trappes en sapin pour les mettre ici sur le côté comme ça. Hop, yup. Et on va les plaquer contre le mur parce que ça fait joli, hein, tout simplement. La même chose de l'autre côté. Hop. D'accord. Ok. Donc, une fois qu'on a ça, eh bien, c'est déjà pas mal. On va utiliser les vitres blanches pour faire le tour de notre enclos. Comme ça, au moins, les pandas, ils s'en vont pas du tout. Ils vont pas partir, on ne sait pas où. Hop. Voilà. Et puis après, il faudra aménager l'enclos lui-même. On mettra quelques petits flaques d'eau, du bambou, évidemment, de petits trucs. Mais je vous montrerai ça sur la maison déjà finie. Ok. Alors, que nous manque-t-il? Pas mal de choses, surtout des détails et des finitions. Alors, sur le côté ici, vous voyez là, sur toute la bande sur le côté de la maison, on va venir mettre des lanternes aquatiques. On va venir prendre des blocs de verre également. Hop, et on va creuser à partir de là. On va laisser 3-4 blocs de marge par rapport au bord ici de la barrière. On va creuser de 2 blocs de profondeur. On mettra une lanterne et une vitre par-dessus comme ça. D'accord ? Et puis on va laisser 1, 2, 3, 4, 5 blocs d'écart. Et au sixième bloc, on recreuse de 2 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, paf, paf. 1, 2, 3, 4, 5, paf, paf. Vous avez compris l'idée. Et on mettra des lanternes à chaque fois dans le sol. Tac, tac. Comme ça. Et on fera ça sur toute la ligne jusqu'au fond. Ok. Alors, au niveau du reste vraiment de la maison, je pense qu'on a vraiment fait la structure globale, elle est là. Maintenant, il reste surtout des détails, à part peut-être l'arbre. On va prendre des arbres, donc alors, des feuilles, pardon, d'acajou,
Des feuilles d'acajou avec du bois d'acajou aussi. D'acajou, voilà. Et on va faire un palmier. Ici, vous voyez, sur le coin de la maison, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Hop. Hop, hop, hop. On va faire un, voilà, un grand palmier qui va tout droit, par exemple. Hein, pourquoi pas. On va assez haut. Il faut dépasser cette partie-là de la maison. Moi, je l'ai fait ici à 17 blocs de hauteur, donc c'est pas mal. Puis on rajoute des feuilles par-dessus en essayant de faire un peu dans le style d'un palmier, vous voyez? C'est-à-dire avec voilà des feuilles comme ça qui tombent un peu comme ça. Hop, vous voyez? Hop, hop, hop. Etc. etc. Et vous voyez que bah, ça donne un palmier qui est quand même plutôt pas mal. On va rajouter un petit morceau de palmier ou d'arbre ici comme ça sur le côté. Ok, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Hop, on va essayer d'orienter tous les bûches de bois dans le même sens pour que ça soit plus joli. D'accord? Ici, vous voyez, elle est un peu dans un sens bizarre. Tac. Tac, voyez, donc là c'est un peu plus joli à l'œil. Et on va refaire, je vais pas vous le remontrer du coup, hein, mais voilà, l'idée c'est de refaire la même chose avec des feuilles comme ça tombantes. Ok, alors, vraiment je crois que le reste c'est vraiment du détail de la finition. Donc je vais vous le montrer sur tout ce qui est finition, je vais vous le montrer sur la maison directement. D'accord? Donc, hop, sur notre entrée, vous voyez, c'est notre, pas notre entrée, mais le devant de la maison, on va faire toute une ligne de bambou comme ça, vous voyez, et on va essayer de les garder relativement petits, donc juste à 2 blocs de hauteur, les bambous, normalement ils poussent très très haut. L'idée c'est d'utiliser, vous voyez, des ficelles au-dessus des bambous pour empêcher qu'ils poussent davantage. C'est pour ça que j'avais des ficelles qui volaient un petit peu partout. Et de les mettre sur la ligne comme ça. Vous voyez donc une ligne, un bloc derrière la barrière ici, comme ça, sur toute la longueur. Et sauf devant la. On n'en met pas devant le parking ici, vous voyez. On reprend juste derrière sur toute la longueur ici. Et voilà, donc avec les ficelles au-dessus. Ok. Au niveau de la piscine elle-même. Alors là, c'est pas moi qui l'ai aménagé, qui a aménagé la piscine, c'est Shiro, du coup, qui est modérateur sur la chaîne, ainsi que sur la chaîne Twitch, dont je vous invite à venir avec nous d'ailleurs. Ainsi que, bah voilà, et sur le Discord aussi. Ah oui, alors du coup, parce que j'ai un Discord. Ah là, ça, j'oublie de le dire tout le temps, mais voilà, j'ai une chaîne Twitch, j'ai un Discord, donc la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes aussi. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens de tout ça dans le premier commentaire. Voilà. Comme ça sera plus facile. Alors, ça, c'est une petite astuce qui est sympa. On va prendre des feux de camp, voyez bien, et on va venir l'éteindre. Alors, je ne sais pas comment on fait pour l'éteindre. Moi, j'utilise l'eau, mais je crois qu'il y a y a une autre façon de faire. Hop. Et vous voyez, on met de l'eau dessus, on reprend l'eau avec un seau, et ça nous donne une base de feu de camp qui est éteinte, du coup. Et l'idée, c'est qu'avec ça, on peut faire, comme par exemple, des ponts au-dessus de la piscine. C'est une petite astuce que j'avais vue avec Mr. Raz, et je trouve ça vachement stylé pour faire un pont comme ça, vous voyez, au-dessus de la piscine. Donc, entre notre pont ici, comme ça, on le déplace de 1, 2, 3, 4 blocs du bord de notre partie en bois, d'accord? Et on le met sur 2 blocs de large, comme ça, notre petit pont. On met pareil des espèces de carrés en andésite dans le sol comme ça, jusqu'à relier tout simplement notre grande terrasse ici. La terrasse du coup, hein, qui va se faire de cette façon, c'est-à-dire qu'on va creuser dans le sol, comme ça on va enlever les planches de sapin, les dalles de sapin, pour mettre de la laine rouge par exemple, parce que c'est très voyant, c'est assez stylé. Un peu en L comme ça, vous voyez. Sur allez, 3, 4, 5 blocs de long et un petit bloc comme ça. Et les assises des canapés, on va les faire en neige, vous voyez, avec les différentes petites couches de neige.
Alors ça, c'est un petit peu compliqué peut-être à faire comment on appelle ça, en survie. Si vous êtes en survie sur votre terrain, peut-être la neige, ça va être un petit peu compliqué. Donc, essayez de mettre des dalles ou des tapis ou des choses comme ça. D'accord ? Hop, en face, on laisse un bloc, on met une ligne de blocs de granit. Parce qu'on l'utilise pas assez souvent, le granit. Je trouve que franchement, le granit, c'est un bloc qui est complètement boudé sur Minecraft. Personne ne l'utilise, il est tout seul dans son coin, comme un malpropre. Et donc, moi, je l'utilise parce que c'est... J'allais dire c'est joli, non c'est pas joli mais... Mais voilà, moi j'utilise du granit. Et pareil, le canapé de l'autre côté. On peut creuser aussi dans le sol pour mettre des enclumes avec un petit peu de végétation comme ça par-dessus. Pareil, une ligne de bouquins, de bibliothèque comme ça pour faire une espèce de petit meuble un peu rigolo. Ça peut être pas mal. Au niveau du plafond, ce qui peut être pas mal aussi, c'est de mettre des end rods, donc des barres de l'end, qui tiennent soit du verre blanc ici, vous voyez, soit du verre noir, avec des vitres en blanc autour de du verre noir, ou des vitres noires autour du verre blanc. Vous voyez, ça c'est un petit peu stylé, et on les met donc pile poil au-dessus de la table, comme ça, ou voilà, juste entre les deux. Moi par exemple, j'ai mis... 3, 4, 5 blocs d'écart entre les deux lampes. Voilà. Alors, l'enclos. Vous voyez donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va creuser dans l'enclos lui-même des petites mares ici comme ça, des espèces de mini collines. Alors, jamais suffisamment pour qu'il puisse sortir de l'enclos, bien sûr, faut faire attention à ça. Creuser des petits trous et tout ça. Mettre un petit peu de fleurs, de végétation, d'herbe. Et surtout des bambous. On va planter un peu des bambous partout. Vous voyez, comme ça. Pour que, ben, pour qu'ils puissent... Ah, bah tiens, ah, ils aiment bien... Oh ! Ah, j'étais même pas au courant qu'ils faisaient ça, les pandas. Oh là là ! Oh ! Et ils font des bébés ! Ah ben j'avais jamais essayé. Je découvre des choses. Alors, au niveau des bambous, bah tiens, tant qu'on y est, je vais faire tous les bambous de la maison, comme ça moi c'est fait. Donc entre la piscine ici et la partie de la maison comme ça où il y a l'enclos, on n'hésite pas à mettre des petites lignes de bambous juste derrière la piscine. Voilà, qui dépassent légèrement la maison ici comme ça. Alors, le petit truc... auquel il faut penser, c'est que les bambous ne vont pas tous pousser à la même hauteur. Ça, c'est très embêtant. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment coupé, replanté des bambous au même endroit jusqu'à ce qu'ils fassent tous la même hauteur. Donc, ça peut prendre pas mal de temps. J'ai aussi mis des ficelles pour aider un petit peu à bloquer leur croissance à une altitude donnée. Mais ça peut être un peu long à faire. Ça, ce genre de truc. Alors, la même chose avec des bambous qu'on met derrière la maison ici, vous voyez, comme ça. Donc, hop, on est dans l'alignement du mur ici, vous voyez, paf, comme ça. Et ici, il n'y a rien de particulier, on met une ligne de bambou. Et pareil, il faut essayer d'avoir une altitude commune à tous les bambous. La même altitude et la même taille pour tous, c'est un petit peu compliqué à avoir, mais ça donne un effet très très soigné en fait à la maison. Le fait d'avoir les bambous tous à la même taille, bon là j'en ai une là-bas qui est pas à la même taille mais que les autres, mais le fait de les avoir tous à la même taille, ça fait un côté très soigné. On voit que c'est fait exprès et donc c'est propre, quoi, vous voyez. Donc là j'en ai mis 21 blocs de long. Et là derrière, vous voyez, ben pareil que ce qu'on a mis de l'autre côté de la maison, hein, une ligne comme ça de verre avec des lanternes aquatiques en dessous, surtout le long de la maison. Hop. Au niveau de la partie surélevée de la maison comme ça, vous voyez, on va mettre un pilotis, un espèce de support comme ça qui va être les mêmes supports que ce qu'on a mis pour la piscine. Sauf qu'on va les mettre comme ça, en dessous de la maison, comme ça.
Donc on va compter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs d'écart pour pouvoir mettre un autre pilier. Ok. Sur le long de la du mur ici, on peut mettre des rosiers, pourquoi pas, histoire de donner un petit peu de couleur. Tous les deux blocs, ma foi. Hop, alors sur l'arrière de la maison, on va faire toujours un petit chemin, comme ça, en andésite, et en andésite poli, d'accord. On va faire une petite, un petit trou, justement, dans cette grande vitre, comme ça, pour avoir un accès. Et puis on met un petit chemin en andésite, comme ça. Et l'idée, c'est que vous voyez la petite partie qui est surélevée par rapport au reste de la maison. Donc ça, à la limite, je peux vous montrer sur, la maison qu'on est en train de construire. Cette partie-là, vous voyez. Eh bien, l'idée, c'est de prolonger sous les murs, ici, comme ça. Hop, des murets. Des murets, du coup, en pierre taillée. Hop, voilà, on les met jusqu'au sol. Et de mettre en plein milieu, entre les deux, un espèce de petit salon de plein air. Donc un salon de plein air, on va utiliser plutôt de la pierre hein, pour faire un escalier. Pour faire un canapé plutôt. Hop, comme ça, on peut essayer de faire un escalier un peu, un canapé un peu sympa. Et l'idée, c'est que au-dessus de ce canapé, justement, on puisse mettre une chaîne, hop, comme ça, en plein milieu, paf, 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 là, 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 paf, paf, alors pas trop petite, voilà, donc de 3 blocs, par exemple, et de remettre un petit peu le même principe que ce qu'on avait fait de l'autre côté, c'est-à-dire avec... avec du verre noir et des vitres blanches, c'est du verre teinté ça. Verre noir, voilà. Et des vitres blanches par exemple, hein, ou l'inverse. Hop, paf, comme ça. Tac, tac, tac. Pour faire un truc bien, voilà. Alors, ici, je voulais pas montrer, mais c'est vrai que j'avais oublié. Hop, ici vous voyez on avait mis une vitre, une ligne de vitre. En fait on va l'enlever carrément. Et on va utiliser en fait un escalier en quartz. Et on va mettre un escalier en quartz ici, vous voyez. Tac, 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 tac. Et on arrive pile poil sur la partie en quartz du dessous ici, vous voyez. Donc ben forcément, hop, hop. Hop, hop, peu, voilà, tac, 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 voilà, celui-là je l'avais oublié, effectivement, et puis voilà, donc je vais vous montrer le reste des finitions sur l'arrière de cette maison, voyez, donc l'idée avec les espèces de petits chemins en andésite, comme ça, c'est de le prolonger jusqu'à arriver devant cette entrée-là, d'accord. Et vous voyez donc le canapé et tout ça, je vous l'ai déjà montré. En dessous de l'escalier qu'on vient de faire, vous voyez, de l'autre côté. Eh bien, on va faire une ligne de... On va faire un petit jardinet avec du podzol. Donc, on va faire une ligne... Alors, attendez, on va faire une ligne de combien? Hop. De 16 blocs de podzol comme ça, derrière l'escalier. Dessous, peut-être, devrais-je dire. Puis après, on recolle par rapport... Enfin, on recolle au mur hein, pour faire toute une zone comme ça de podzol. Par-dessus, on peut mettre quelques tapis en mousse comme ça, par-ci, par-là. Des grandes fougères, des arbustes morts, quelques plantes, quelques fleurs. Et surtout, le truc stylé, c'est toujours les vitres noires que l'on met comme ça. Vous voyez, deux vitres noires côte à côte pour faire des espèces de colonnes de verre qui font un petit peu des piliers et qui sont très très stylés. On peut utiliser des plaques de pression à côté de l'escalier pour entourer complètement notre partie en podzol comme ça. Ok. Alors là, l'idée avec ces bambous, c'est que lorsque l'on est face à la maison, enfin en face, vous voyez deux niveaux de bambous ici. Vous voyez, vous avez les petits bambous ici
et les plus grands derrière. C'est vraiment ça l'idée. Hop. Et donc on va les prolonger sur 27 blocs de longueur. Et hop, l'idée c'est de prendre le bord du toit comme repère. Ici vous voyez, vous prenez le bord du toit comme repère. Vous prenez la même chose au niveau du sol et vous mettez les bambous derrière. D'accord ? Parce que sinon, si on regardait par devant la maison, eh bien, si on mettait les bambous derrière le toit là-bas, eh bien, on ne les verrait pas, tout simplement. C'est parce que ici, c'est un petit peu moins élevé que le toit, que là, on peut voir les bambous. C'est pour ça qu'on les met là. Alors, pour le sol, on rajoute aussi deux vitres noires comme ça. Vous voyez, ça, c'est pas mal. On laisse un bloc d'écart par rapport au bord du balcon. Et hop, des vitres ici comme ça. Un autre bloc d'écart et deux vitres et hop. Hop, est-ce qu'ici il reste des choses à montrer? Quelques lignes de grandes fougères par devant le mur. Et puis on est bon pour le sol. Alors, maintenant on va passer aux terrasses. Alors, les premières terrasses, en fait, bon, toutes les terrasses vont être plus ou moins faites de la même façon. On va utiliser des tapis donc en bleu et des tapis en cyan, quand on va faire des petits motifs comme ça avec. Vous voyez ici on fait un motif comme ça. Au-dessus on fera un motif un peu en escalier. Hop, sur les autres terrasses, pareil, un motif en escalier mais décalé un petit peu sur le côté. Ici, alors ça ne sera pas une terrasse, c'est un hélipad qu'on appelle ça, donc là où atterrissent les hélicoptères. Mais on va faire dans les mêmes couleurs, histoire de garder une cohérence visuelle pour la maison. Donc, on va faire un grand H en plein milieu, vous voyez, de la zone ici, que l'on va faire sur 4 blocs de large. On laisse dépasser de 2 blocs, c'est des tapis, hein, c'est que des tapis, de 2 blocs de chaque côté pour faire un H. Hop, puis après, à partir de la ligne de blocs ici, comme ça, on va laisser juste 2 blocs de tapis en cyan de chaque côté, ici comme ça, sur toute la ligne. Par devant, et par derrière, pareil, sur toute la ligne ici, comme ça. Donc vous avez ça aussi. Hein. Et il suffira juste de mettre des tapis dans les coins, comme ça, pour avoir toute la partie en cyan, hop, qu'il faut. Et puis après, tout simplement, on prend les tapis bleus et on met tout partout autour. Voilà. Alors, pour le reste des terrasses là-bas, vous voyez donc les mêmes tapis à chaque fois. Alors, au niveau des transats, l'idée c'est de mettre après du mobilier de terrasse qui soit un petit peu tous la même chose. Donc en sapin, en escalier de sapin, en planche de sapin de manière générale. Vous voyez deux escaliers qui font comme des bancs que l'on met l'un à côté de l'autre. Un espèce de canapé un petit peu stylé avec des escaliers comme ça et des dalles. D'accord ? On utilise après de la neige pour faire... Hop, un peu les assises des bancs. On peut aussi faire ça comme ça avec trois couches de neige histoire d'avoir un tout petit décalage, vous voyez, par rapport au quartz, enfin pas aux dalles comme ça ici. Vous voyez. Et ici, à côté, vous avez un accoudoir qui est légèrement plus élevé et donc vous avez un canapé qui est quand même très très design. Ok. La même chose ici, là ici le canapé est peut-être un petit peu plus travaillé. L'idée étant d'avoir une table en dalle de roche lisse qui soit très grande comme ça, vous voyez. Ici on a mis un support et après il y a pas mal de tables comme ça qui se prolongent sur les côtés. Et de part et d'autre on a mis voilà, des canapés avec voilà, toujours des escaliers, des dalles, de la neige. Et pareil, ici, un escalier, mais un canapé, mais en angle, comme ça. Ce qui est jamais vu sur Minecraft pour l'instant. Ok. Alors, sur les autres terrasses, on met des transats. Les bronzats, comme moi, j'aime bien les appeler. Les escaliers bolés, comme ça, en coin. Des dalles en coin, comme ça. Le petit pot de fleurs à côté pour faire le petit cocktail. Et puis ça passe bien. Alors, voilà, des tables comme ça en dalles.
Et puis voilà, et puis après les végétations c'est toujours un peu la même chose, on mettra un composteur par exemple et des feuilles, et on les met à intervalles réguliers comme ça. Vous voyez, après c'est toujours la même chose hein, au niveau des terrasses. Hein. Vous voyez, composteur, feuilles, canapé, table. Hop, voilà, alors, les petits détails qui tuent comme on dit. On va prendre ici des dalles de quartz et on va laisser 4 blocs ici comme ça de côté, 2 blocs de l'autre, et on va venir, hop, creuser, enlever, parce que normalement à la base c'est comme ça, vous voyez, à la base vous avez quelque chose comme ça, et l'idée c'est de venir enlever cette partie là, et venir utiliser des dalles en quartz, comme ça, même sur le bord de la piscine, pour faire un accès à la piscine tout simplement. Et c'était ça la grande idée à la base de la maison, c'est de faire une piscine qui puisse avoir, dont on puisse avoir accès à partir des terrasses comme ça, vous voyez, et qui soit surélevée, qui soit sur pilotis, voilà, comme on a fait. Et puis voilà. Est-ce que j'ai encore autre chose à dire au niveau du toit peut-être? Hop, donc j'ai mis tout un tas de panneaux solaires, hein, faits en capteur de lumière, le coup classique. 2 blocs de large sur 5 blocs de long. Voilà, j'en ai mis 4, voilà, sur la longueur, sur 2 longueurs. Alors, ça j'en ai pas parlé. Les grandes, les grands, comment on appelle ça? Les grands préaux? Non, comment on appelle ça? Je ne sais pas. On va mettre tout un tapis de dalles, une grande zone où on va mettre que des trappes en bois comme ça, dans la partie creuse du toit, ici, vous voyez. Donc on va en mettre sur 7 blocs de longueur, sur 16 blocs de longueur au total, pour remplir complètement le trou ici comme ça, d'accord? Au-dessus, donc vous voyez, vous avez la terrasse à ce niveau-là, on va prendre... Hop, la même largeur que la fenêtre ici, vous voyez, en dessous. Et on va prolonger des trappes comme ça sur 3 blocs de large. Sur, hop, 7 blocs de long. L'escalier. L'hélicoptère, comme j'ai dit au début de la vidéo, je ne le montrerai pas. Parce que la vidéo durerait 150 000 ans. Déjà qu'elle est assez longue. Voilà, j'ai déjà fait un tuto pour faire un hélicoptère, donc n'hésitez pas à aller regarder. C'est un très très vieux tuto, je crois qu'il a plus de 10 ans hein, pour vous dire. Donc, mais ça marche toujours. Voilà. Hop, je viens de remarquer qu'il y a aussi à ce niveau-là, vous voyez, une plateforme. Je sais pas comment on peut dire ça, une espèce de toit couvert de trappe dans le creux ici au-dessus de l'escalier. Et donc on va faire sur 4 blocs de large, sur 8 blocs de longueur, toute une zone comme ça de trappe en bois, au-dessus de l'escalier. Voilà, il me semble qu'on est arrivé jusqu'au bout, ce qui n'est pas dommage parce que la vidéo est vraiment longue. Bonne chance à ceux qui vont faire le tutoriel, à ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Je sais plus parler, parce que ça n'a pas dû être facile, ça a dû vous demander beaucoup de temps, et donc gros gros GG à vous si vous êtes arrivé jusque là, parce que franchement, là vous le méritez. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine.